Hello à tous, c'est Mew, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve sur un ancien concept que j'ai déjà fait. On va faire la compo parfaite, le 11 idéal du PSG de cette saison 2022-2023. Donc voilà, c'est un gros concept que j'ai déjà fait sur 3 vidéos. Après avoir fait le même concept pour le Barça, Manchester City ou encore le Real Madrid, concept qui vous a d'ailleurs plu, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le PSG. La dernière vidéo elle remonte déjà à 3 mois, donc ça fait déjà un bon moment. Oui, ça passe vite, donc je me suis dit que j'étais obligée de parler du meilleur club de Ligue 1, du moins sur le papier, le PSG. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc dans cette composition, on va procéder en 3-4-3. Donc la compo qu'ils utilisent cette saison, le PSG, celle qu'ils utilisent le plus souvent, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 tout simplement. Donc déjà, on commence avec le gardien de but où j'ai décidé de mettre Donnarumma, bien entendu. Donc pour le poste de gardien, ça n'a pas été très compliqué de choisir parce que la situation de Keylor Navas est très compliquée en ce moment. On l'a vu avec des images, il a pris énormément de poids depuis son retour de la Coupe du Monde. Il fait des performances très décevantes, notamment contre les clubs d'Arabie Saoudite où il se prend 4 buts, notamment le doublé de Cristiano Ronaldo, ses premiers buts avec El Nassr, et je pense qu'il n'est plus motivé comme à son arrivée où il avait une grosse hype avec les gros joueurs qu'il y a au PSG depuis l'arrivée de Donnarumma. Et les dirigeants et tout simplement le coach du PSG, Christophe Galtier, préfèrent Donnarumma, on l'a vu, et ça je comprends, mais je pense que Navas doit partir et trouver un club qui le mettra titulaire, une meilleure façon de finir sa carrière après ses nombreuses années, incroyables années avec le Real Madrid. Je pense qu'il mérite mieux que ça et qu'il devrait trouver un club top club européen pour pouvoir continuer à évoluer au meilleur niveau, parce que là il est remplaçant, c'est triste à voir, et joue que contre les petits clubs en Coupe de France vite fait, en match tout simplement comme on l'a vu contre le Riyad tout simplement, donc c'est très compliqué pour lui. Donc voilà, Donnarumma mérite sa place, il a fait de bonnes performances malgré sa non qualification en Coupe du Monde. Je trouve que c'est un très bon gardien malgré les boulettes aussi qu'on a vu en Ligue des Champions, mais sinon pour moi il mérite amplement sa place dans ce 11. Au poste de défenseur central, bien entendu j'ai décidé d'en mettre 3. Là aussi il n'y avait pas forcément de gros débats, bien entendu défenseur central gauche Danilo, qui est pour moi un joueur sous-coté malgré qu'il soit pas très performant de temps en temps, mais il reste un très bon joueur. Pour moi Danilo c'est un très bon joueur pour le PSG, il correspond au style de jeu, il a été recruté il y a un bon moment déjà, mais pour moi il mérite sa place, il est plutôt bon depuis le début de saison. Donc voilà, au poste de défenseur central, tout simplement au milieu, Marquinhos bien entendu, notre capitaine de temps en temps. Donc voilà, c'est un très bon joueur aussi Marquinhos, on l'a vu, il a joué dans cette Coupe du Monde, malheureusement aussi il a pas pu aller loin dans cette Coupe du Monde, mais sinon c'est un très bon joueur aussi, il est à peu près comme Danilo et l'autre que je vais vous citer. Mais sinon il est un petit peu décevant ces débuts de saison avec pas de très bonnes notes, de très bonnes performances, mais sinon dans les années d'avant on le connaît, c'est un très bon joueur, il marque sa place, il marque son territoire, il empêche les bons attaquants de passer, donc pour moi il mérite aussi sa place. Et pour finir cette défense, bien entendu j'ai décidé de mettre Sergio Ramos, donc vous allez vous étonner peut-être, lui qui est arrivé au PSG récemment, qui a fait une saison plutôt ratée pour sa première saison, il était de nombreuses fois blessé. Cette saison il est motivé, il est à fond, il a pas joué la Coupe du Monde en plus de ça, donc il est très motivé. Je pense que là en plus on l'a vu depuis le début de saison qu'il est très performant, il est parfois même meilleur que Danilo et Marquinhos. C'est pour moi c'est le plus régulier des trois, donc voilà, même si de temps en temps il se fait humilier comme on l'a vu contre Lyon, mais sinon ça reste un très bon joueur. Mais le problème de cette défense centrale c'est que qu'ils sont tout simplement irréguliers, une fois ils peuvent être très bons, d'autres fois très mauvais, à chaque fois il y en a un qui est magnifique et l'autre qui est décevant tout simplement, donc c'est pour ça qu'il y a une irrégularité au niveau de la défense, et pour moi c'est le point faible de cette équipe. Après j'aurais pu rajouter un autre joueur hein, comme vous savez Presnel Kimpembe, mais donc pour lui son problème c'est qu'il est blessé depuis le 13 novembre dernier, donc cette saison c'est très compliqué pour lui, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre tout simplement dans ce 11, et j'espère qu'il reprendra bien, qu'il pourra se relancer le plus rapidement possible, parce qu'on connaît ce joueur, ça peut être le meilleur défenseur de cette équipe hein, mais malheureusement les blessures l'ont marqué, il a pas pu jouer cette Coupe du Monde, c'est très compliqué pour lui depuis ce début de saison. J'espère qu'il pourra se relancer, je pense qu'il aura largement sa place du titulaire s'il revient, on l'a vu dans les années d'avant, lui qui a toujours joué au PSG, il était très impressionnant, ça peut être même le meilleur défenseur central hein. Mais bon voilà, c'est pour ça que j'ai pas décidé de le mettre dans cette vidéo. On passe ensuite au milieu de terrain, j'ai essayé de mettre deux pistons, donc on a Nuno Mendes d'un côté à gauche, donc bien entendu un crack, l'un des meilleurs latérales à son poste, donc pour moi c'est franchement il n'y avait aucun débat sur lui, j'étais obligée de le mettre, il est juste impressionnant, il est très jeune, il a joué la Coupe du Monde, il peut défendre comme attaquer, il est très rapide sur les côtés, il fait de bons centres, donc pour moi Nuno Mendes mérite amplement sa place, il est très bon, et j'ai décidé de le mettre à la place de Juan Bernat, qui lui aussi est impressionnant depuis ce début de saison, qui joue très bien aussi, mais pour moi Nuno Mendes a plus de talent, plus de potentiel, et il peut vraiment aller très très loin avec cette équipe, donc pour moi il mérite amplement
simplement sa place. Ça a été un bon coup du PSG. Il fait de bonnes statistiques, donc pourquoi pas le mettre dans son 11. Et ensuite, en piston droit, on a Achraf Hakimi, tout simplement. Là, il n'y a aucun débat. Il avait pas de débat. Il avait pas de concurrence aussi. On aurait pu mettre Nordine Mukiele, mais pour moi, il a pas du tout le niveau d'Hakimi. Il a joué cette Coupe du Monde avec le Maroc. Il a été aussi très impressionnant. Donc pour moi, il n'y a aucun débat. L'un des meilleurs latéral droit à son poste. Donc il est très bon statistiquement. Il défend bien. Il distribue de bons ballons. Il revient en défense. Il attaque. Il sprint. Il fait des centres. Il peut même marquer. On l'a vu certaines fois. Donc pour moi, Hakimi, comme le Maroc, tout comme le PSG, il est très très bon. Il a sa place de titulaire et il permet bien la distribution entre la défense et l'attaque. On passe ensuite au milieu central où là on parle bien entendu de Marco Verratti, lui qui n'a pas pu bien commencer l'année 2023 à cause d'une blessure mais qui est récemment revenu sur les terrains. On a vu du Fabian Ruiz ou encore du Zaïre Emery, le jeune joueur de 16 ans qui l'a remplacé le temps de son absence. Sinon pour Verratti, c'est la valeur sûre bien entendu, à la fois l'un des meilleurs milieux au monde et l'un des plus sous-cotés malheureusement. Il sait tout faire, hein, tout simplement. Il est très important pour l'équipe. Ça fait de nombreuses années qu'il joue avec le PSG. Il a toujours été titulaire, toujours été très important. Il sait tout faire en fait. Il attaque, il défend, limite on peut mettre à la cage. Donc c'est un très bon joueur, surtout défensivement. Il est vraiment très bon. Il peut aider la défense. On peut limite le mettre aussi défenseur central, hein. Il revient, il distribue les bons ballons. Il sait sortir son côté capitaine aussi, vu que lui aussi ça fait un très bon bout de temps qu'il est avec le PSG. Donc pour moi, Verratti, il n'y a rien à dire sur lui, bien entendu. Il mérite sa place. Et pour le deuxième milieu de terrain central, lui c'est mon chouchou de cette équipe. On parle bien entendu de Vitinha, lui qui est arrivé cet été au PSG et qui jusque-là était juste très impressionnant. Il a joué tous les matchs depuis le début de saison. Il est actuellement à 17 matchs joués. Donc on voit que Christophe Galtier compte vraiment sur ce joueur. Il est très bon, que ce soit défensivement ou offensivement, malgré l'énorme concurrence qu'il y a au PSG, notamment au milieu de terrain, surtout avec Renato Sanchez, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Zaïre Emery. Enfin bref, il a su se démarquer. Donc pour moi, il mérite amplement sa place, surtout que la concurrence reste le pire ennemi des joueurs. Donc pour moi, là, il sait tout faire aussi, hein. C'est actuellement le meilleur milieu du PSG avec Marco Verratti, selon moi. Donc voilà, lui aussi, il peut jouer à tous les postes, hein. Que ce soit milieu offensif, milieu défensif, milieu droit, milieu gauche. Donc voilà, c'est un joueur très important. C'est une pièce maîtresse, c'est un joueur polyvalent. Donc pour moi, il peut être très bon. Il sait marquer, il sait défendre, il sait récupérer des ballons. C'est un petit peu le deuxième Marco Verratti. Donc pour moi, c'est une très bonne pioche du PSG. Donc à voir sur la suite de la saison. Mais pour moi, ça reste vraiment un très très bon joueur. Ensuite, on passe à l'attaque. Vous les attendiez tous. Vous savez qui est-ce que je vais mettre dans cette attaque. Bien sûr, c'était logique, il n'y a pas de débat. On commence premièrement avec l'ailier gauche, Neymar. Quatrième meilleur buteur de Ligue 1 et meilleur passeur, Neymar est tout simplement impressionnant depuis ce début de saison. Il est actuellement bien entendu à 11 buts et 10 passes décisives en 10 matchs. Donc c'est juste incroyable. Il a plus de statistiques que de matchs joués. Donc voilà, c'est juste impressionnant, hein. Malgré sa Coupe du Monde plutôt moyenne avec sa blessure et son élimination en quart de finale. Donc là aussi, il a été très décevant. Mais c'est pas vraiment de sa faute à cause de sa blessure. Neymar, il s'est pas découragé. Il a continué à travailler, déterminé à remporter sa première Ligue des Champions avec le PSG, lui qui est arrivé pour plus de 222 millions au PSG. Donc voilà, il y a des choses à prouver, même s'il les a déjà fait depuis un moment. Donc bien entendu, comme toute personne, j'étais obligé de le mettre dans ce 11 parce qu'il n'a tout simplement pas de concurrent dans cette équipe. Malgré les critiques qu'il recevait depuis le début de saison et depuis tout simplement son arrivée, il a su jouer, il a pu fermer des bouches à pas mal de supporters. Donc pour moi, Neymar, c'est vraiment un joueur à respecter malgré tous les problèmes qu'il a eu avec son père, l'argent, les supporters, les faux amis, etc. Tous les problèmes qu'il a, il a su se démarquer et il continue à faire de belles statistiques, à travailler dur. Donc voilà, pour moi, Neymar, c'est vraiment un très bon joueur et il mérite amplement sa place au PSG. Je pense qu'il jouera encore pendant quelques années là-bas. Ensuite, on est ailier droit, bien entendu, le meilleur joueur au monde, figure bel et bien dans ce 11, Lionel Messi. Lui qui a porté son équipe cet hiver en remportant sa première Coupe du Monde, fait bel et bien partie de ce trio magique. Et lui aussi, il est très chaud depuis ce début de saison avec le PSG, étant aussi meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts, étant lui aussi meilleur passeur de Ligue 1 avec 8 buts et 10 passes depuis le début de saison. Donc voilà, il est égal à Neymar. Eux deux qui sont de très très bons joueurs, il est aussi obligé de figurer en tant que titulaire dans ce 11. Et lui aussi, bien entendu, il a pas de concurrence. Il veut aider le PSG à remporter leur première Ligue des Champions de leur histoire malgré leur échec de la saison passée. Donc comme tous les joueurs que j'ai cités et que je vais citer dans cette vidéo, il mérite amplement sa place. Donc pour moi, Lionel Messi, il n'y a rien à dire, il distribue des ballons, il joue très bien. Il sait tout faire sur le terrain, récupérer des ballons, pourquoi pas aussi, se projeter vers l'avant, distribuer de bons ballons à Mbappé ou à Neymar. Et pour moi, Messi, il reste juste impressionnant à son vieil âge, hein. On sait qu'il a joué la majorité de sa carrière au Barça. Et à son âge, il est toujours aussi très performant. Donc à voir dans les années à venir. Je pense qu'il peut aussi jouer de nombreux trophées. Donc voilà, pour moi, Messi mérite sa place, tout comme Neymar, tout comme les joueurs que j'ai cités juste avant. Et bien entendu, le dernier joueur de ce 11, Kylian Mbappé. En fait, c'est compliqué pour lui depuis la reprise de la finale de la Coupe du Monde perdue malheureusement contre l'Argentine, justement contre Lionel Messi. Il est actuellement à 2 buts marqués en 5 matchs, contrairement au début de saison où il était juste impressionnant. Il se remettra vite en tête les objectifs du PSG, qui sont donc de remporter la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et je pense qu'il a un peu la tête encore dans la finale.
c'est sûr, son mental il est un peu régressé. Et je pense que d'un coup il aura un coup de speed, il reviendra vite sur les terrains, et qu'il aura vraiment la niaque, la dalle, il aura tout ce qu'il veut, mais vraiment il aura vraiment envie. Mais il est quand même à 13 buts en 17 matchs, donc reste tout de même le meilleur buteur de Ligue 1 malgré ses difficultés depuis le retour de la Coupe du Monde. Il est donc 3ème meilleur buteur européen tout simplement, derrière Robert Lewandowski et le monstre bien entendu Erling Haaland. En plus récemment il a inscrit un quintuplé, c'est donc devenu le premier joueur de l'histoire du PSG à faire ça. C'est vraiment un joueur impressionnant, toujours à se battre pour son club et à vouloir marquer l'histoire. C'est ça qui m'impressionne chez ce joueur, il a jamais fini de jouer en fait, il a toujours un truc à prouver encore une fois, pour marquer l'histoire. Et pour moi Mbappé pourra enfin donner la première Ligue des Champions au PSG, enfin remporter sa première Ligue des Champions. Je pense que là c'est juste un petit problème pour lui, un petit coup de mental, un coup de massue dans la tête, mais je pense qu'il reviendra très vite sur les terrains. Déjà ça l'a reboosté là de marquer son quintuplé, donc je pense qu'il pourra revenir sur les terrains et pourquoi pas marquer l'histoire aussi contre le Bayern Munich qui les attend très prochainement. Donc voilà, j'ai donc fini mon 11 du PSG, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, faites votre 11 à vous, je veux voir vos avis, différents points de vue. Donc voilà, en tout cas je pense que cette équipe a vraiment un très gros potentiel et peuvent largement, s'ils le veulent bien entendu, remporter cette Ligue des Champions. Ils seront bientôt confrontés au Bayern Munich et ils ont toutes leurs chances bien entendu, eux qui sont en très grande difficulté avec la blessure de Neuer et l'incertitude de Sadio Mané. On a des Mbappé ou des Neymar déçus de leur Coupe du Monde, bien entendu c'est logique, et ils auront sûrement un mental de fer pour remporter le plus de trophées possible cette saison pour le PSG, pourquoi pas tous les trophées possibles, hein. Voire même aller chercher le ballon d'or je pense pour certains. Donc voilà, ça c'est à voir par contre, mais je pense c'est largement faisable le ballon d'or pour un des joueurs du PSG. En tout cas pour le PSG de leur côté, tous leurs postes sont complets, ils ont plein de cracks pour les années à venir, donc il n'y a pas de quoi se faire. Leur point faible peut peut-être se trouver en défense, je pense qu'avec leur manque de soutien, hein, je trouve qu'ils sont trop irréguliers comme j'ai dit juste avant pour les défenseurs. Une fois c'est Danilo, une fois Marquinhos ou d'autres fois c'est Sergio Ramos. Je pense qu'ils doivent peut-être recruter un défenseur central et ce serait parfait pour eux. Ils auront vraiment l'équipe parfaite pour détrôner toute l'Europe. Donc là ils sont sur des scrinières, donc à voir pour la suite, il y a encore de nouvelles, mais je pense que ils ont envie de recruter un défenseur pour avoir la meilleure équipe possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude en commentaire. Je prends tout votre avis, j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Donc bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif des 1000 abonnés, on n'oublie pas, à liker et à partager. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Mignou. Ciao.